Ces femmes-là créées. Il y a un disque, il y avait une chorale qui avait été mise sur pied. Ah oui. Et ça s'appelle le disque du 8 mars. Ah oui. Et il y a des chansons absolument magnifiques sur ce disque-là. Je m'appelle Lucille, 8 mars 1857. Pour nous autres, les filles du textile, ça a été la défaite. Moi, jamais j'oublierai le jour où la police a foncé ses filles parce qu'on criait « Justice ». Salaire de famine, puis des
service rendu parce qu'une fille est ben fine. En mars 1908, donc 50 ans plus tard, les choses changent pas ben vite, puis on proteste encore. Le droit de vote, le boulot, et puis le travail des enfants, des enfants. 1908 mars, là on va proclamer une journée des femmes en solidarité de celles qui ont lutté. Je m'appelle Catherine. Mariée, j'ai 3 enfants. Je travaille à l'usine, c'est pour ça que je cours tout le temps. Entre l'usine puis chez nous, entre mon lunch puis le ménage, je finis la semaine à genoux. Oui, j'ai mon voyage. Tous les jours, c'est pareil, on rentre avant les gars. De l'atelier d'au-dessus, comme ça, on se parle pas. Des fois qu'on apprendrait que c'est pas rien que d'un étage, qu'ils ont plus d'avantages pour le même travail qu'on fait. On dîne pas aux mêmes heures, le local est au petit. On dirait que c'est prévu pour qu'on soit jamais vu. Mais on parle entre nous autres de l'accident de Sylvie, du maudit plan Bonnie. Ce Bonnie-là, faut que ça saute, faut que ça saute. Les femmes, on doit se libérer, et cela, il faut le chanter.
Bien sûr, on a chanté le 8 mars. Bien sûr, ça peut mobiliser en masse. Mais il reste que le salaire inégal, c'est un problème que les femmes doivent régler. Parce qu'un gars peut lever un poids, on le paye plus. Rien que pour ça. Pourtant, à l'hôpital, on travaille le même temps, avec les mêmes patients. Puis celles qui travaillent à l'usine, souvent, c'est avec les mêmes machines. Même s'il y a des femmes qui sont levées, il en reste trop qui ont peur de parler. On a plus appris à se taire, attendre, endurer et puis plaire qu'on a appris à discuter du sort du monde autour d'une bière. Il y en a même, quand on parle de ça, d'avoir le même salaire que les gars, qui disent qu'on en a moins besoin parce qu'on gagne un salaire d'appoint. Ben, qui viennent voir le vendredi quand on s'enligne à l'épicerie avec deux salaires de famine pour la viande puis la margarine. Nos petits jobs mal à manger, va falloir les améliorer. Va falloir se battre en masse pour changer de quoi entre 2 et 8 mars. Bien sûr, faut un congé de maternité. Bien sûr que dans ce temps-là, tu travailles pour la société. Mais il reste que c'est pas facile à négocier, que tu peux te faire congédier. Puis à la première occasion, tu vas te retrouver à chômer. Puis quant à l'assurance chômage, ben c'est pas avec ça que tu vas emmener large. Leurs clauses sont assez compliquées que tu n'arrives pas à t'y démêler. La première affaire que tu apprends, c'est que tu n'as pas à coucher à temps. T'as croire qu'il faudrait un texte de loi qui flotterait dans le placenta pour que le bébé puisse sortir assez tôt pour que toi t'en retires. Bien sûr, on a parlé d'égalité. Bien sûr, tout le monde dit c'est OK. Mais il reste l'éducation ancrée pour que les femmes soient orientées vers des jobs où elles serviront, vers des métiers de soumission. Serveuse de banque, de restaurant, serveuse auprès des enfants, serveuse aussi comme infirmière, serveuse comme toutes les secrétaires. Mais ces métiers-là, si on les repensait, il y aurait peut-être plus d'intérêt. Puis à part de ça, essaye pas de devenir médecin ou avocat. On dit qu'une femme va travailler quelques années puis qu'elle va se marier. C'est un mauvais investissement, disent les médecins de la faculté. C'est connu qu'en devenant maman, une fille arrête de pratiquer. Si on pouvait faire autrement, mais c'est pas comme ça dans le moment. Bien sûr, la société doit changer. Bien sûr, les femmes veulent participer. Mais il reste que toi, t'es à la maison, poignée, parce que les petits, c'est pas ton mari qui va les garder. Quand tu peux te payer une soirée, c'est parce que le problème de garderie, ben, c'est toi qui l'as réglé. Bien sûr, il faut des garderies. Bien sûr, ça en prend pour nos petits. Mais il reste que l'État en rit. Il aime bien mieux te voir à la maison isolée que sur le marché du travail à revendiquer. Puis il y a aussi la tradition qui laisse entendre qu'on est mesquine de vouloir sortir de la cuisine. Qui nous traite de tous les noms de la terre pour nous rappeler nos rôles de mère. Mais on devrait savoir pourtant qu'on ne veut pas des parkings d'enfants. On veut pour eux un milieu de vie, un groupe où ils vont se développer, rire, jouer, apprendre à parler. Bien sûr, des enfants, on en veut. Bien sûr, c'est quand on peut. Il reste que si tu n'es pas dans des conditions qui te permettent de bien t'en occuper, c'est pas toujours légal de te faire avorter. Puis on veut vivre, nous autres aussi. Dans le même monde que nos maris, nos chums, nos enfants, nos amis. On voit bien que la chose a changé, ces rapports d'égalité. Ouais, on va s'arrêter ici. On pense pas qu'on a tout dit. Faudrait que d'autres femmes parlent aussi. Parce qu'il reste que le monde pourra pas changer si les femmes en sont écartées.
C'est avec des mots doux que nous tenons à dire pourquoi il faut lutter, continuer encore. C'est avec des mots doux que nous voulons décrire nos combats acharnés pour changer le décor. Corps où l'on joue le dur métier de vivre, qui réclame des yeux, des poumons et des doigts, qui réclame la peur et des comédiens ivres pour qui le joue ce qu'on veut en silence et sans voix. Chaque fois qu'on range naissance et privilège et qu'on en fait des lois, qu'on paie mieux ceux qui ont acquis diplôme et livre, les autres c'est connu ont des besoins plus bas. Toute douceur nous devient étrangère, nos mots prennent les armes, appellent au combat. Nos liens se sont tressés en ces étranges guerres que même un peu perdus, nous gagnons chaque fois. Nos liens se multiplient malgré les lois, les armes pour un crâne fendu. Tant de plus, et bientôt le pouvoir, l'ambition et leur charme se tiendront dans leur fief et se seront perdus. C'est avec des mots doux que nous pourrons écrire. Nous avons tant lutté, nous lutterons encore. Avec des mots doux qu'on parlera de vivre, d'aimer, de travailler et puis d'aimer les mains, et lorsque par la suite elles deviennent mères,
elle s'organise entre l'usine et les bambins. Les travailleuses ne peuvent plus se taire, leurs droits sont légitimes, justes et leur colère. Elles débordent du droit chemin instauré par l'ordre établi. Fallu que ma femme vienne travailler pour faire des bas, des culottes, des caleçons, cotons ouatés, des t-shirts, des paletots, des pyjamas rayés. Quand je l'ai vu travailler dans le shop, faire les mêmes bas, les mêmes culottes, ça me faisait mal de voir le boss engueuler ma claire, il fait des crosses. Pour faire des bas, des culottes, des caleçons de coton ouaté, des t-shirts, des paletots et des pyjamas rayés. Elle faisait la même job que moi, pourtant était bien moins payée. Les gars disaient que ça correct comme ça, les boss disaient que ça correct comme ça. Pour faire des bas, des culottes, des caleçons de coton ouaté, des t-shirts, des paletots, des pyjamas rayés. En plus de travailler, elle faisait le souper. Pendant qu'à passer, j'écoutais mon hockey. Une fois les enfants couchés, t'as pogné pour tout laver. Laver mes bas, mes culottes, mes caleçons de coton ouaté, mes t-shirts, mes paletots, mes pyjamas rayés. Il y a deux ans, on a fait une grève. Il était temps que le monde se lève. On était écœurés des doigts coupés puis de nos salades exploitées. Pour faire des bas, des culottes, des caleçons de coton ouaté, des t-shirts, des paletots et des pyjamas rayés.
on était pas habitué de voir des filles sur le piquet pour faire des paniculades, des galsons, cotons ouettés, des t-shirts, des paletots et des pyjamas rayés. Un jour après 8 mois de grève, la victoire semblait rêve. Neuf personnes s'est levée pour dire qu'il fallait pas l'offrir. Croyez-moi, croyez-moi pas, c'est ma Claire qui a fait ça pour faire des paniculades, des caleçons de coton ouaté, des t-shirts, des paletots et des pyjamas rayés. À cette heure, quand on rentre à la maison, c'est pas toute la même chose qu'avant. Pour se diviser les tâches, le lavage et puis le repassage, ça m'a pris un petit peu de temps. J'suis pas trop vite sur le moment pour coudre mes bas, mes culottes, mes caleçons, coton ouaté, mes t-shirts, mes paletots, mes pyjamas rayés. Mes bas, mes culottes, mes caleçons, coton ouaté, mes t-shirts, mes paletots, mes pyjamas rayés. Les coups.